monsieur le préfet du département de Boulogne, monsieur le sous-préfet des arrondissements du département, l'ensemble des autorités administratives qui vous accompagnent, les chefs de service, messieurs les autorités administratives des républicains de Guinée-Bissau et de la Gambie, messieurs les forces de défense et de sécurité, monsieur le représentant de l'ambassadeur des États-Unis au Sénégal, monsieur Sow, j'espère que vous allez vous-même participer au match. Ce serait intéressant. Monsieur le coordinateur de la dynamique de la paix, mon ami Leki, et son président du comité collaboratif, M. Ben Diamé, monsieur Abdoulaye Diallo et Baba Ndiaye Diallo, qui représente ici le partenaire américain. M. Ndiaye, que je remercie beaucoup aussi pour l'avoir connu et pratiqué. Messieurs les invités, chère population de Goudaou, sachez une chose, j'ai fait le déplacement Dakar pour Goudaou spécialement pour cette activité. D'ailleurs, je rentre demain. Je suis venu spécialement pour cette activité de la dynamique de la paix. Pour réaffirmer, réitérer mon engagement à vos côtés pour la recherche de la paix, pour la solidification de l'acquis déjà pour cette paix-là, sans quoi aucun développement n'est envisageable. Vous avez le soutien absolu de Goudaou et de l'ensemble de ses populations. Depuis des années déjà, vous le savez. Tout à l'heure en venant, j'ai écouté le rappel du président de la sécurité collaborative pour la promesse de donner un terrain à la dynamique de la paix. Pour vous dire que j'ai fait un engagement public et vous savez très bien que je respecte mes engagements. Ce n'est pas le choix. Je le réitère ici devant le préfet que la dynamique de la paix mérite d'être installée et bien installée au niveau de Goudaou. Pour continuer à Goudaou et dans le département à faire le travail qu'ils sont en train de faire et qui est indispensable pour le développement. Sur ce point, soit rassuré que Goudaou a un terrain. Je suis tellement satisfait de ce que vous avez fait pendant ces dernières années. Je pense que nous sommes à la deuxième édition des 72 heures, intercalée par l'expérience ou l'initiative du village, que j'ai beaucoup apprécié en termes d'expérience. Moi, ce que j'ai vécu à Goudaou avec mes populations, sans vous, mais ça serait très difficile au plan de mes relations sociales. Au-delà des grandes actions que vous entreprenez, aussi aux yeux de tout le monde, faites un travail de fourmi à Goudaou au plan social pour que les populations soient les plus unies. Et à tous les, à chaque fois que c'est compliqué, on fait appel à la dynamique de la vie pour nous aider à raffermir davantage les rapports d'abord entre populations de Goudaou. Diallo l'a dit, Goudaou est une phase pilote. Je m'en réjouis tellement parce que je vois mes collègues maires se profiter de cette expérience-là. Je pense que Karatabe et Dibana sont déjà dans le lot. Je voudrais saluer les maires présents. Je ne l'ai pas fait tout à l'heure. Je sais qu'ils sont là. Où leurs représentants sont là. Si dynamique de la paix se bat, c'est pour les populations. Pour les maires qui comprennent les enjeux, quand on se bat pour votre population, en vérité, on se bat pour vous. Moi, je voudrais vous dire merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Je remercie la préfecture de Goudaou, qui en vérité, depuis que vous êtes là, n'a ménagé aucun effort pour être à vos côtés, de près ou de loin. Donc, je voudrais à ce titre exprimer mes vives félicitations à la préfecture de Goudaou, donc au préfet naturellement de Goudaou.
j'engage les populations de Moudan à être davantage à vos côtés. Parce que moi, je suis convaincu d'une chose, les plus imperceptibles souvent, c'est que sans vous, ça va être très difficile. Donc avec vous, ça devient de plus en plus facile. Pour nous, en tout cas, acteurs de développement dans la gestion quotidienne. Je ne peux pas être trop long, je voulais dire merci à Abdoulaye Diallo, le représentant de l'État américain, que j'ai connu, il a raison, hein, depuis le bas âge. On a fait beaucoup de choses ensemble. Ça ne me surprend pas qu'il soit arrivé à ce niveau, parce qu'il a toujours été un homme engagé, sérieux et rigoureux dans ce qu'il entreprend. Je suis heureux que Moudan vous accueille aujourd'hui et vous avez véritablement toutes mes félicitations et mes remerciements. J'ai l'habitude de dire qu'il ne faut pas que les partenaires lâchent la dynamique de l'âme. Parce qu'on ne sait pas trop comment ça marche. Mais si vous les lâchez, c'est comme si vous lâchez les populations ensemble. Donc continuez à les accompagner parce qu'on est témoin véritablement et bénéficiaire des actions qu'ils posent. Pour ça, je vous dis merci en vous souhaitant, n'est-ce pas, un excellent séjour à Goudaou. Je vous remercie.